Good morning, allez, Iden, le Tzuzro aujourd'hui, les Rufuat, Refeldov, Ben Yehudit, Betor Shachol Israël, ainsi que les Lunishmat, Avram Chaynor, Berben, Fortuné Mazal, Idida Batester, Yaakov Nissim, Ben Chanaï, Machlouf, Micha, Ben Masouda, si vous souhaitez aussi l'idée d'une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étudions Maseret Ketut, Perik Vav, Mishnah Hei. Aïcha, Shaïa, Shaléa, Chatata Of, Safek. Shavar, Aléa, Yom Kippurim, Chayavet, La Ville, Achar, Yom Kippurim, Mipene, Shemar, Sharta, Le Chol, Bazvachim. Khatat haof abaa la safek. Im mishelim lekan odala. La raison, tikaver. Sujet encore en rapport avec la Mishnah Gimel, qu'on découvrait en fait les points sur lesquels Yom Kippour expie les fautes, les fait suspendre au moins. Et on continue donc avec. Ça continue sur la Mishnah Dalet. On avait appris que les Chiyuvé Khatot Vachamot, même s'il y a eu Yom Kippour qui est passé, on doit quand même les apporter. Et la Mishnah continue en m'enseignant maintenant Aïcha Sheyesh Alea Khatata Of Safek. Une femme qui devait apporter un korban Khatata Of dans le doute. Shavar Alea Yom Kippurim, qui est passé sur elle Yom Kippour, Chayevet Lavi, la Har Yom Kippurim, elle devra malgré tout apporter son korban après Yom Kippour. Pourquoi? Mipene Shemar Shaota Lechol Zvachim. Parce que la Khatata Of, le korban Khatat des volailles, lui permet et la rend apte à consommer des Zvachim, des korbanot. Et on explique de quoi on parle, c'est très simple. Parmi les korbanot qu'on apporte au Beth Amikdash, il y a les korbanot qui viennent pour expier une faute, Khatat Hasham, il y a les korbanot qu'on, bien sûr, qu'on fait en donation, en don, en offrande, c'est la Ola, le Shlamim, et il y a aussi des korbanot que l'on fait pour finir un rituel de purification. En l'occurrence, ça se retrouve avec la Zav, la Ziva, et le Metzora aussi, même principe, et aussi la femme qui a accouché. Pour rappel, lorsque la femme elle accouche, alors elle doit porter ensuite, c'est tout un rituel, 7 jours pour un garçon, 14 jours pour une fille, après le temps pour le mikvé. Et elle attend la fin des 40 jours ou 80 jours pour une vie. Et après, elle devra apporter ensuite des korbanot, une ola et un khatata of. Et si elle n'a pas, le moyen, deux khataot, deux ofot, deux volailles. Un qui sera olata of et l'autre qui sera khatata of. Ouais. Une volaille, c'est torim ou neyona. Des pigeons ou des tourelles. J'ai oublié, on m'a déjà corrigé, ce qui veut dire tourelle ou tourterelle, j'ai encore une fois oublié, c'est pas grave, excusez-moi. En tout cas, d'un torim au benayona, ok. Quand on étudiera Maseret Kinim, on aura l'occasion d'en parler très longuement de ces korbanot. Pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est que donc elle doit apporter un korban khatataof. À quoi sert ce korban? Ça sert à lui finir le rituel de purification. Tant qu'elle n'a pas apporté ce korban, elle est pure pour son mari, mais elle n'a pas le droit de manger des kochim, des korbanot, et elle n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash. Tant qu'elle n'a pas apporté ces korbanot-là. Et alors maintenant, une femme qui a eu un doute, est-ce qu'elle a accouché? Comme ce qu'on avait déjà pris longuement, on a eu l'occasion de l'évoquer plein de fois, qu'à partir d'une fausse couche après le 40e jour, c'est-à-dire le 41e jour, eh bien, on craint qu'il y avait un être vivant, un homme, ou un mâle, ou une femelle, qui a été formée ici, et en l'occurrence, donc, elle a un garçon ou une fille plutôt, qui a été formée, et que, donc elle a accouché un garçon ou une fille, et donc elle devra, la Khumra, faire son rituel de purification. Et on avait aussi évoqué un cas, où il y a une femme qui a accouché, soit elle ne sait pas est-ce qu'elle a passé 40 jours ou pas, ou encore toutes sortes de doutes, elle a accouché un morceau, c'est sorti d'elle, de son utérus, c'est sorti d'elle, un morceau tout bizarre, on ne sait pas ce que c'était un être vivant, c'était juste un morceau de chair mal formé qui n'a aucun rapport avec quoi que ce soit. Donc maintenant, elle a un doute, est-ce qu'elle a accouché? Dans le doute, alors il faudra qu'elle apporte quand même son khatata of, elle n'apportera pas la ola. Non, plutôt elle apportera la ola, mais la ola ça ne nous dérange pas d'apporter une ola, parce qu'au pire elle peut la faire en offrande, en cadeau, mais elle pourra même aussi apporter un korban khatata of, elle devra l'apporter, un khatata of, afin de lui permettre de pouvoir entrer au Beth Amikdash et manger des kochim. Comme ce que la Mishnah m'a dit, Marsharta l'Echol Bazvachim. Ça la rend apte à consommer les Zvachim.
Donc, c'est nécessaire pour finir son procédé de purification. Là, le problème, il est que, normalement, lorsqu'on apporte un khatataouf, alors, le rituel implique qu'on commence d'abord à lui faire la melika. Le kohen va, avec son ongle, il va lui faire la melika par la nuque, il va enfoncer son ongle et il va, comme ça, l'égorger, l'abattre. Après, il doit, normalement, asperger son sang sur le misbéach, et ensuite, la khatataouf, elle est mangée par les kohanim. Là, on va avoir un problème technique, c'est qu'il va aller faire la melika, certes, il va asperger le sang, mais elle ne sera plus mangée par les kohanim. Pourquoi? Parce qu'on va craindre que c'est peut-être pas finalement une khatataouf, peut-être que la femme n'a pas accouché. Ouais, peut-être qu'elle n'avait pas en réalité passé 40 jours. Elle ne sait pas ce qu'elle a accouché, ce qui est sorti d'elle ou pas. Donc dans le doute, on va lui dire, tu sais quoi, tu fais un khatataouf, mais qui ne sera pas consommé par les kohanim. Et sache que maintenant que même s'il y a eu Yom Kippour qui est passé, tu devras quand même apporter ce korban, parce que ce korban ne vient pas pour expier une faute, mais pour une purification, et Yom Kippour ne va pas remplacer, substituer cette purification. D'accord? C'est ce qu'on a lu pour le moment. Je vous introduis plus de notions pour comprendre la suite de la Mishnah en fait, mais je retraduis tout ça dans les mots. Aisha Shaya Shalea Khatata Of Safek. Une femme qui doit apporter un korban Khatata Of, un korban Khatat de volaille, avec le pigeon donc, ça fait que dans le doute. Parce qu'elle ne sait pas est-ce qu'elle a accouché ou pas. Est-ce qu'elle a passé 40 jours ou pas. Et après, ce qui s'est passé, c'est que quoi? Elle avait une dette, elle devait venir à la porte au Beth Amikdash. Mais quoi? D'avoir allé à Yom Kippourim, il y a eu Yom Kippour qui est passé ensuite. Bien, la Mishnah m'enseigne que Chayavet la ville à Yom Kippourim. Elle aura le devoir de continuer à porter son korban, même après Yom Kippour. Pourquoi? Parce que ce korban de Khatataouf la rend apte à consommer des zvachim. Il n'est pas question ici d'expier une faute pour que Yom Kippour puisse expier. Il est question d'achever un rituel et Yom Kippour n'achève pas ce rituel. Ok? Maintenant, la Mishnah continue. Si déjà on a parlé du sujet de Khatataouf qu'on apporte en situation de doute, la Mishnah m'enseigne encore. Khatataouf à Baal à Safek. Une Khatataouf, donc un korban Khatat de volaille. Abba al-Safek, que l'on apporte alors que l'on a un doute, est-ce qu'on est imposé ou pas? Oui, comme ce qu'on a évoqué, pour la purification de la femme qui a accouché. Eh bien, la Mishnah enseigne. Im Mishanim Leka, Nodala. Si depuis après que l'on a fait la Melika, on a Nodala, on a pris conscience, on a su qu'en réalité elle n'était pas impure, eh bien, à réseau Tikaver, il faudra enterrer. On explique le ça parle un petit peu mieux. On avait le Kohen, donc il lui a apporté un khatataouf au Beth Amikdash. Le Kohen, il a fait la melika, il a aspergé le sang. On a dit en théorie, maintenant, on ne va pas pouvoir manger cette khatataouf. Pourquoi? Parce que peut-être qu'en réalité, la femme elle n'avait pas accouché, que c'était juste un morceau de chair qui est sorti, un morceau de. Une peau. On avait évoqué toutes sortes de situations. Choses qui peuvent sortir, ou bien il n'y avait pas eu les 40 jours passés. Alors, dans tous ces cas, normalement, on finit la khatataouf, après il faut la brûler. Parce qu'un korban qu'on ne mange pas, on le brûle. Là, cette fois-ci, il y a eu un autre problème. On a fait la melika, on a aspergé le sang, et puis d'un coup, on a réalisé que, finalement, on a retrouvé le petit bout qui était sorti d'elle, on l'a porté chez le rave l'a vérifié, puis il a vu que, non, c'était pas un être vivant, ça. C'était juste une peau qui contenait un liquide bizarre, c'était pas une essence. En l'occurrence, il s'avère que le khatataouf qu'on a fait, il sert plus à rien. Donc, premièrement, on va pas le brûler. Mais deuxièmement, qu'est-ce qu'on en fait? La Mishnah enseigne qu'il faudra l'enterrer. Maintenant, ok, premièrement d'abord, il écrit donc qu'il faudra l'enterrer, c'est-à-dire on a maintenant ce khatataouf qu'on a aspergé, on a cru qu'il fallait faire ce rituel de purification, on a fini d'asperger le sang, on réalise que non, en fait, c'était du bluff. Ça servait à rien, il n'y avait pas lieu, elle n'était pas imposée. Qu'est-ce qu'on fait avec ce korban? La Mishnah enseigne qu'il faut l'enterrer. Alors là, il faut préciser plusieurs précisions. Tout d'abord, si on apprend que la femme n'avait pas besoin d'apporter ce korban arrête d'être un korban et redevient rétroactivement, on découvre qu'en réalité c'était un animal profane. Alors maintenant, question. Un animal profane, quel est le statut si on l'égorge dans la Hazara? Tout d'abord, vous savez sûrement que ce qu'on appelle Chulin Shinshratu Bazara. C'est un animal profane qui a été égorgé dans la Hazara, qui est interdit à la consommation. D'accord? Ça, c'est la halakha qui le fixe.
C'est mes forages, chronit chinchatou bazar. Et interdit à la conservation, donc il faut effectivement l'enterrer. Mais là, cette fois-ci, on a un problème avec le khatataouf, c'est que je ne lui fais pas la shrita, je lui fais la melika. Or, la melika, c'est quand je prends l'ongle et je l'enfonce sur la nuque, et comme ça, je tue l'animal. C'est comme ça qu'on mangeait la viande au Beth Amikdash, la viande des volailles. Le seul moyen de la manger, c'était comme ça. Il ne fallait pas la shrita avec un couteau, mais uniquement avec l'ongle du Kohen. Mais il y a quelque chose de très particulier, c'est que cet acte-là, si vous prenez demain un poulet et vous lui faites la shrita en lui enfonçant votre ongle, sachez que votre poulet il va être taref, il va être impropre à la consommation. La Torah l'a dit, la melika, ça marche au Beth Amikdash, mais si c'est plus dans le cadre du Korban, alors c'est un acte qui n'est même pas une shrita, ça invalide totalement l'animal. En l'occurrence, on a gagné quelque chose. Que puisque maintenant, c'est même pas un acte de shrita, d'abattage rituel normal, kasher, apte, puisque l'animal il était profane complètement, eh bien, l'animal, il est, en théorie, permis à la consommation. Ce que la Torah interdit, c'est de faire la shrita d'une vache au Beth Amikdash. Mais si j'amène ma vache au Beth Amikdash, et je la somme, et je la tue, et puis après je la dissèque, eh bien j'ai le droit d'utiliser tous ces morceaux pour en profiter, je pourrais la donner à manger à mon chien, je pourrais en faire ce que je veux, parce que la vache, elle sera plus kadosh. Ouais, elle n'aura pas été égorgée au Beth Amikdash. Ce que j'ai pas le droit, c'est de faire l'acte d'égorger. En l'occurrence, maintenant, on revient sur la volaille. La volaille, si maintenant elle était pas kadosha, alors, et que tu l'as tuée en lui décortiquant la tête, tu lui enfonçais ton ongle, c'est un acte juste de vandalisme qui va tuer l'animal, mais ce n'est pas un acte de shrita. S'il n'y a plus de shrita, l'animal il est permis à la consommation. Donc Minatora, cette volaille-là, elle est permise à la consommation. Chachamim sont venus et nous ont dit non, mais malgré tout, on ne veut pas que tu tires profit de cette volaille-là à qui tu as fait la médica. Puisque étant donné que lorsque tu l'as fait la médica, on était sûr que c'est un korban khatat, et tu asperges un korban khatat, si tu as commencé à la donner à manger à ton chien ensuite, parce que c'est un animal profane, les gens risquent de conclure que un khatataouf, on a le droit aussi de le donner à manger au chien. C'est un grave problème. De ce fait, on fait une takana, on interdit d'en tirer profit, et il faudra l'enterrer uniquement. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, comme tout, c'est là.